Hey, je suis heureux de vous retrouver pour de la construction sur Fallout 4 et aujourd'hui nous attaquons une tâche qui s'avère être colossale puisque nous allons faire toute la rue principale avec lampes, affiches, on va rendre ça classe, un peu de ce style. On va essayer de faire ça mais sur toute la rue, ça sera forcément moins bien qu'ici. Parce qu'ici, c'est un petit chef-d'œuvre quand même. Mais on va essayer de faire quelque chose de bien. Allez, on est parti. Alors, en premier, on va faire du ménage. On va dégager tous ces trucs-là. En plus, ça va libérer des villageois. On va aller faire autre chose. Voilà. Ça aussi. Ok. Ah, la boîte-mine. Oh, ça serait génial. On est une boîte-mine. Ici. On a un petit espace. Ça, on va le virer. Que j'aime pas au final. Voilà, et on voit la boîte-mine tout de suite se diriger vers l'intérieur du salon. Et ça, c'est beau. Hey, le roi pingouin, comment vas-tu? Et bienvenue sur ce stream, c'est la première fois que je te vois. Donc bienvenue, bienvenue. Ok, alors en premier, est-ce qu'on met un sol? Non, on va garder cette route. Si on garde la route, est-ce qu'on retire toutes les petites herbes qui dépassent? Ces trucs-là, est-ce qu'on les retire? Moi, ça m'a l'air assez sale. N'hésitez pas à participer dans le stream, à me donner vos avis, vos idées. C'est le moment. Vous n'aurez pas meilleur moment dans toute votre vie pour participer à tout ça. Hey, loup blanc 17300, comment vas-tu? Bienvenue sur ce stream, n'hésite pas à parler. Alors, notre petite lumière, on va les placer. Donc on va se donner comme limite ici. Jusqu'à là. Ok. Une lampe là. Une lampe là. Et on va essayer de faire un truc pas trop sale. On va mettre une lampe là. Voilà, de chaque côté. Que ça ait un rapport quand même avec les bâtiments. Hop, une là du coup. Essayons de faire un truc symétrique tant qu'on y est. Voilà. Donc ici, il faut qu'on la mette là. Ah, en mettant ici, j'ai tout de suite une meilleure vue. Eh bien, loup blanc, tu vas être content. Va sur ma chaîne YouTube, tu as le lien dans la description de Twitch en dessous. Et il y a énormément de vidéos de construction sur ma chaîne YouTube. Faut pas que ça soit parfait, ça reste du Fallout, donc perso je laisserai les petites herbes. Ok bah très bien, on va laisser les petites herbes, bonne idée, on va faire comme ça. C'est vrai qu'un monde trop parfait c'est plus Fallout. Hey, Moju148, bienvenue, bienvenue sur ce stream, c'est la première fois que je te vois, n'hésite pas à discuter. Tu peux voir sur la rediff Twitch, il y a le chat YouTube aussi qui est affiché, donc tu peux discuter aussi avec eux. Et si tu aimes la construction sur Fallout 4, n'hésite pas à aller voir ma chaîne qui se trouve dans la description. Tu trouveras ton bonheur. Je suis sur PC, Miller, et bienvenue à toi, Miller. Fais une rue en mode Broadway. Ah, en mode Broadway, ça va être dur quand même. Où est ton billard et ta maison? Ah, ça, il n'y en a pas des masses. Il n'y a qu'un billard dans tout Sanctuary Hill chez moi. Ah ok, Moju.
Voilà. Donc déjà, ça, quand ça va être allumé... Il y en a trop. J'en ai trop mis. On va en retirer une sur deux. On sait pas qu'il y ait... Je les avais mis... autant rapprochés. Ah, et ça, je peux pas le retirer. Ah, je sais pas comment ça éclaire aussi, on n'est pas en pleine nuit. Hey, Isertox78, bienvenue sur ce stream, c'est la première fois que je te vois. N'hésite pas à aller sur la chaîne YouTube si tu veux voir toutes mes constructions. Tu trouveras ton bonheur si tu aimes la construction. Et sinon, n'hésite pas à discuter sur le chat, je réponds à tout. À vraiment tout le monde. Hop, voilà, là c'est beaucoup mieux. Du The Forest, je pourrais en faire. J'en referai peut-être. Un jour. On pourrait faire des constructions sympas en plus dans The Forest. Intéressant. Ah, trop loin. Encore trop loin. Ah oui, sur PS4, c'est assez pauvre Fallout. Je confirme. Hop, on va bien s'aligner. Hey, le gamer du moment. Comment vas-tu? Bienvenue, c'est la première fois que je te vois sur ce stream. Si tu aimes les vidéos de construction sur Fallout 4, si tu aimes tout ça, n'hésite pas à aller sur ma chaîne, tu trouveras le bonheur. Et surtout, n'hésite pas à parler dans le chat, à me parler, je réponds à tout le monde, je lis tout. Oui, il manque énormément de mods sur les consoles. Et encore trop loin. C'est bien de mettre les câbles électriques, ça me permet de les mettre tous. Tous à une bonne distance. Pour les vidéos où j'ai mes mods, allez directement sur ma chaîne. J'ai déjà présenté une grande partie de mes mods. Disons les plus importants. Vous regardez, je crois que ça s'appelle Fallout 4, tuto les mods indispensables pour la construction. Et après, vous avez la même chose, mais pour la milice et pour 2-3 autres trucs. Hey, Loup Blanc, 17300, merci de t'être abonné. Je sais que tu étais déjà présent dans le stream, donc je ne te ferai pas le speed. Fallout Shelter, oh, je l'ai déjà fait en entier une fois à l'époque. Ça me tenterait pas de le refaire. Non, je ne joue pas sur Xbox One. Prendre l'eau purifiée. Steam Pack. J'aurais peut-être dû prendre le Steam Pack ensuite boire l'eau. Ok, donc tout là c'est relié sauf. Ça ne s'allume pas. Alors j'ai dû oublier de connecter le bout. Oui. Hop. Voilà. Ok, on a déjà notre éclairage, donc ça c'est cool. Ah, ici c'est pas parfaitement aligné. Il faut jouer en mode survie pour avoir les petites maladies bien sympas. Pense quoi de la rumeur d'un Fallout New Orleans? Oh, ce ne sont que des rumeurs. Non, bah, j'en sais rien, j'ai pas trop réfléchi à la question. C'est possible. Ah, à Nouvelle-Orléans. Bah, les rumeurs viennent bien de quelque part, donc, tu vois,
c'est une bêtise, ou soit c'est... ça a fuité quelque part. Ok, donc on a notre rue principale. Qu'est-ce qu'on pourrait y rajouter maintenant? Allez voir, donc structure, il n'y a rien d'intéressant. Ouais, c'est vrai que ça serait cool à la Nouvelle-Orléans. Délinant, chaise. Ah! On peut faire un truc sympa dans cette rue principale. C'est de se trouver un petit coin et de faire en fait un petit coin canapé, etc. Un petit truc de clochard un peu. Là, on a un peu d'espace. Alors, changer la couleur de mon Pip-Boy, je l'aime bien en vert. Je trouve que la couleur par défaut. Ici, on va mettre des trucs plus tard. Là, il n'y a pas besoin. On va finir d'abord ce côté de rue. Parce que vous voyez, tout là, il est bien fait. Il y a plein de trucs. Mais alors là, c'est le désert. Il n'y a rien du tout. Donc ici, on peut mettre des caisses. Ils sont prêts à être entreposés. Là, on peut mettre une ou deux boîtes en métal, comme ça. Je pourrais reconstruire ta maison. Les magasins, en fait, il y a déjà ici où ils vendent des trucs. Ouais, à la limite, des magasins. Ça peut être sympa pour tout un côté. On va faire ça, je pense. Les magasins, c'est une bonne idée. Pour quand les mets... Chambre des abonnés, ça arrive. Ça arrive. Non, bah, j'avais déjà tourné le trailer, j'avais écrit les premiers épisodes de la web-série Fallout, mais je me suis foutu sur Azordian, et Azordian a pris le pas sur Fallout. Un jour, je la ferai peut-être. Là, c'est assez loin, vu que je suis à fond sur Azordian. Mais on verra, et il y aura peut-être un jour la chambre des abonnés. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Mais là... j'imagine le truc au bar. Il y aurait du jazz, un barman qui te vend une bouteille de whisky, le bonheur. Ah ouais. Ça pourrait être pas mal. Ah, les chambres des abonnés, ah oui. Cette éternelle question. Oh, on peut mettre un rocher. Il n'y a pas de pierre en plus dans cette ville. Ah, c'est un rocher de rangement en plus. La classe. Ça serait parfait là. Hey Flavest, bienvenue sur le stream. N'hésite pas à parler, etc. Tout le monde te répondra. Et bienvenue, bienvenue. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Voilà, ça va être pour le petit coin clochard. On va peut-être le faire ici. Là, il y a moyen de faire un truc sympa quand même. On va mettre un sol comme ça, un peu plus tard. On va rejoindre là et on va faire une terrasse ici. J'ai joué à Fallout Shelter, c'est fini cette époque. J'ai passé trop de temps pour rien. Ça peut être pas mal.
Ok. Ah oui, non, mais il y en a qui ont des bonnes idées. Il y a des trucs à faire dans Fallout, mais dommage que ça ne soit pas en multijoueur. Là-dessus, c'est pas top. Mais après, si vous voulez du scoop, Fable 4, il va sortir. Fable 4. Là, les pierres elles sont un peu trop grandes. Alors, on peut mettre le tonneau ici pour apporter un peu d'éclairage en plus. Ah, la niche elle est trop grande, c'est dommage, on aurait pu faire un truc sympa. Voilà, ça c'est vraiment cool ça. Ça rajoute vraiment du détail et c'est un truc important. Ah ben Fallout en multi, que tout le monde attend. C'est la vie quoi. Oh, un abribus. Même si on n'a pas de bus, l'abribus c'est tellement ouf. Là, mon perso il a du mal. Oh oh oh, je crois qu'il est en train de crever là. Qu'est-ce que t'as mon gars? J'ai même plus où on va pour. Ah oui, afficher effet. Bon, on va devoir lui faire faire une pause au gars. Hey Rixi Alix, bienvenue, bienvenue. C'est la première fois que je te vois sur ce stream, donc bienvenue, bienvenue. N'hésite pas à discuter avec tout le monde, on est tous sympas ici. Ok, on va aller dormir vite fait. Un bon 8 heures. Un Fallout avec des véhicules, c'est déjà plus du Fallout. Ou alors, faut que ça soit vraiment rare, etc. Le temps passe tellement lentement, là. Allez hop hop hop. Moi j'ai de la construction à faire. Ah voilà, là on est un peu refait quand même. Ok. Donc là les lumières déjà ça fait tellement le boulot. Bon, j'aimerais bien refaire un truc de ce style, quoi, mais je vois pas comment on pourrait le refaire. C'est tellement la classe, ici. Je crois qu'on va devoir faire une rue moyenne. On va mettre un petit coin, quand même, salon et tout. Alors, l'abribus, on va le retirer parce qu'il vole à moitié, ça me plaît pas. Et donc, notre petit coin salon... On peut le faire ici. À le faire ici. Oui, l'abri des clochards en dessous de là. Mais il n'y a pas de clochards chez nous. Non, je me suis jamais fait attaquer d'ailleurs durant les épisodes de construction. C'est assez impressionnant.
J'aimerais bien, en fait, dès qu'on arrive, paf, il y a le petit coin. On va devoir le faire ici. On va poser un petit sol comme ça. Mais là, on peut pas avec... Regardez, on va placer un petit sol ici. Truc un peu surélevé, histoire qu'il n'y ait pas d'herbe. À moins que je puisse les retirer, non. Et on va faire une sorte de terrasse, carrément. Comme ça, dès qu'on rentre, paf, il y a ça, direct. Oui, après, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de véhicules, la confrérie de l'acier. Mais moi, ce que j'en pense de la confrérie de l'acier, c'est qu'ils n'ont jamais rien fait. Malgré tous leurs moyens, ils n'ont jamais sauvé le monde. Or, qui laisse la place aux vrais survivants? Moi, je vais leur sauver leur monde. Je vais construire une ville, vous allez voir. Et hop! Non, construis s'il te plaît. Commence pas. Allez, viens là, toi. Hey, Heroes! Bienvenue. Oui, ça va très bien. N'hésite pas à parler à tout le monde. Allez sur ma chaîne YouTube, il y a énormément de vidéos de construction. Et tu leur bottes le cul, et ben très bien. Mets-leur un bon petit coup de Fat Man de ma part. Je leur dis que ça vient de la milice. Du vrai et seul leader. Ils comprendront. Il nous faudrait un petit escalier de chaque côté. Ça, c'est pas top pour ce qu'on a fait. On va pouvoir mettre des petites rambardes bien sympas. Voilà, ça, c'est un escalier, ça. Là, on peut parler. Ah oui, c'est le petit café parisien, ici. Ouais, mort à la confrérie, vive la milice. Ça, c'est des barrelles phrases. Ah, ça, c'est ce snap directement là. Ah, Panda Game. Va pas faire long feu ici. L'institut plus stylé. Ça me fait mal d'entendre ça quand même. Et en haut, on va pouvoir mettre un petit commerce. Est-ce qu'on met un petit commerce? Non, on va juste faire vraiment une petite terrasse. Hey, Bébert, comment vas-tu? Ah, moi aussi, la première fois que je les ai vus, coup de Fat Man. Bah, ils sont scratchés ici d'ailleurs. Hein. Là, on va faire un petit coin terrasse bien sympa. On va trouver les beaux trucs rouges. Ils sont où? Ils sont où mes canapés préférés? Voilà. Ah! Ce serait peut-être cool qu'on utilise cela pour une fois.
Là, un peu en mode propagande, devant, on va mettre. Voilà. Les sièges. On met un peu ça en bazar. On va mettre une table. Où est-ce qu'elle est ? Petite table basse. Voilà, et tout ici en fait, on va faire un petit coin un peu de fête, comme là-haut, avec le barbecue, tout ça de posé. Ça va être vraiment pas mal. Ça va participer à toute cette propagande que l'on a mis en place depuis le début. Sur la milice. Bon, et bien, pour ceux qui me suivent sur YouTube, ceux qui regarderont cette rediffusion du coup, bon, merci d'avoir suivi cet épisode, je vous fais des gros bisous et vous dis... Liberté !